Alors. Voilà. Ah quoique ! Hein ? It's okay. On a eu là-bas directement. Oh non, pas le caillou. Vérifier, merci. Non mais je me fais un pas et... par là. Oui, on y est. Ah, calme-toi. Pas si près du but. Si c'est pour l'antimatière lui ou pas. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Identifiant Fragile Express confirmé. Arme détectée. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandise confirmée. Merci. Semblable à celle des porteurs du Dooms. La fin des temps, ce genre de choses. Je me suis dit que les cauchemars venaient de la fatigue.
La possibilité d'une contamination chirale ne m'a jamais effleuré l'esprit. Une chance qu'on s'y soit pris avant la phase suicidaire. Mourir n'est pas envisageable. Mes recherches sont loin d'être terminées. Vous ne faites pas que me sauver la vie. Vous sauvez l'œuvre de ma vie. Je me demandais si je verrais ces médicaments un jour. Vous êtes vraiment doué dans votre domaine, hein? Merci. Ah oui, très bien. Si vous voulez bien vous donner la peine. Ça, il va nous en falloir. C'est vrai que je n'en avais point pris. Ah, ça y est. Me voilà membre des UCA. Avec un accès libre à une mine de documents pour la recherche historique. Étudier cette grève fossile devrait être nettement plus facile désormais. Enfin, si j'arrive à prouver une fois pour toutes que c'est bien ce dont il s'agit, je dois avouer que l'idée de partager nos propres découvertes m'enthousiasme tout autant. Vous vous rendez compte qu'on a trouvé des dépôts Kiro dans des strates remontant à 65,5 millions d'années? L'épreuve d'un Death Stranding dans des temps reculés. Ubu. La matière chirale existe sur Terre depuis bien plus longtemps que l'humanité. Cette strate en apporte la preuve. Regardez, Sam. Vous voyez cette fissure noire, là? Nous pensons que c'est la source des relevés de chiralium. Dans un passé lointain, des séismes ont provoqué une fusion frictionnelle le long des lignes de faille, produisant des couches de ce que l'on appelle des pseudo-tachylites. On qualifie ces couches de séismes fossiles. Sur le même principe, on pourrait qualifier notre fissure de grève fossile. La présence de chiralium dans cette strate en particulier ne peut pas être une simple coïncidence. Elle semble fortement indiquer que des grèves ont dû apparaître au cours de l'extinction crétacée-paléogène. Et pas seulement à cette époque. Le réseau chiral a récupéré des données laissant penser que d'autres grèves fossiles ont été découvertes dans des strates correspondant à d'autres extinctions. Cela voudrait donc dire que les cinq grandes extinctions de masse, et les autres aussi, ont été accompagnées de l'apparition de grèves. En étendant le réseau chiral, vous nous aidez à entrevoir un modèle dans ces données éparses. Vous nous permettez d'approfondir nos recherches individuelles et d'entrevoir que d'ici quelques temps, nous pourrons retrouver tout ce que nous avons perdu et résoudre tous les mystères encore en suspens. Mais ce n'est que le début. Si vous allez jusqu'au bout, Sam, allez savoir ce que nous pourrions découvrir. Au travail. Nouvelle commande disponible. Veuillez. Il n'y avait pas une commande pour... Micheline ? Non. Fabriquer ceci. 3. Va pour 3. On y était tellement presque. Fin de l'intervention des armes. Attends, j'en vois un. Tout en haut. Là-bas, il n'y en avait pas de l'autre côté.
Comme ça, ruiné. Déjà ? Comment ça déjà ? Oh oh. Ah bah aussi, si vous mettez dans pas dans un meilleur conteneur. Faut trouver le bon emplacement. Non, calme-toi. Ici, ça aurait de bon à louer. Là, j'aurais bien besoin d'eau. Ça aurait été parfait. Moi, on a ça. Les utiliser. Est-ce que ça te passe ? Non. Ah ! Remonte.
Non. Et allez, à droite. Tu peux le faire. Do it. Vraiment ce... C'est... Non. Bon ventimètre. C'est peut-être le seul défaut. C'est que les musiques qui commencent à démarrer 10 secondes avant qu'on arrive. Les fouilles vont enfin pouvoir avancer. Cet endroit est assez pénible comme ça quand on n'a pas à s'inquiéter de mourir asphyxié. C'est moi qui vous le dis. Enfin, vous le savez déjà. Après tout, vous l'avez fait. Même si je me demande bien comment. Oxygène. Est-ce que j'en aurais besoin? Il se trouve que j'ai un service à vous demander, Sam Bridges. Un porteur des environs venait m'apporter quelque chose de très précieux, mais il l'a perdu en chemin. C'est une ammonite vieille de 200 millions d'années, qui, d'après lui, a presque l'air encore vivante. Apparemment, il est tombé dessus dans un pierrier qui était jusqu'ici caché sous un glacier, mais ce n'est pas le plus intéressant. Il affirme que cette ammonite a un cordon ombilical. Un cordon ombilical. Je suis un peu sceptique, mais ce spécimen mérite un examen approfondi. On ne peut pas laisser un travail aussi délicat à un amateur. Alors je lui ai demandé d'extraire tout le bloc de pierre et de me l'apporter ici. Je voulais le comparer à des spécimens contemporains trouvés dans les environs. C'est pourquoi je lui ai dit d'en récupérer plusieurs, en plus de celui dont il m'avait parlé. Mais qu'est-ce qu'il a fait, cet abruti? Il a perdu toute la cargaison. Il n'a même pas eu le bon sens de marquer quelle caisse contenait l'ammonite au cordon ombilical. La marchandise est censée avoir été perdue dans une zone située au sud-ouest, où les gaz toxiques ont tendance à s'accumuler.
Et cet homme d'une grande fiabilité dit que son scanner de marchandises est cassé et qu'il lui est impossible de retrouver la cargaison. Mais vous, vous pourriez retrouver sa trace. Pour vous protéger des émanations, je vais vous fournir un masque à oxygène. Juste au cas où. Vous pourrez le récupérer en acceptant la commande. Ce fossile pourrait représenter une découverte primordiale. Bien sûr, il existe des poissons vivipares, mais une ammonite avec un cordon ombilical, c'est du jamais vu. Et si elle a effectivement 200 millions d'années, elle correspondrait à l'extinction de masse de la fin du Trias, une autre des cinq grandes extinctions. Le cordon ombilical pourrait-il être connecté à la grève? Il faut récupérer cette marchandise à tout prix. Elle pourrait être un indice essentiel pour comprendre les mécanismes du Death Stranding. Nous y sommes presque. Nous sommes sur le point de toucher du doigt la nature véritable de ce phénomène. Faites vite, Sam. Nous ne pouvons pas risquer de perdre cette ammonite. Ah, ça, c'est parce qu'il a fait confiance à Chronopost. Nouvelle commande disponible. Crée une ammonite. Un masque à oxygène. Très bonne idée. Il vous permettra de filtrer l'air et de respirer normalement. Non seulement vous serez protégé des gaz toxiques, mais en plus, la fatigue qui découle de vos efforts constants n'en sera que diminuée, ce qui vous aidera à garder l'équilibre. Si sa batterie était illimitée, je vous dirais bien de le garder tout le temps, mais ce n'est pas le cas. Alors, ne le faites pas. Pas que ça. Mettons le casque. Des échelles. Oh non, mais ça, j'en ai plein, c'est bon. J'en ai 150 000. On est bing. Chalon. Commande attribuée. J'ai cru qu'il y avait marqué vlog. Bonjour, Sam. Accrochez-vous. En vrai, on va enlever. Fabriquer un 3 roues. Oh, il était là. J'ai pas vu. On s'en fiche, ça aussi. Je me dégourdisse les jambes. C'est ça que je les voyais pas. Ah.
crois que tout le monde s'est fait baiser, hein. Ici, allez. J'en ai deux. Tout le monde s'est fait baiser. Mais il m'enlève mes lunettes. Non. Salut, cœur de ronce. Allez. Tiens, ta marchandise. Vous l'avez trouvé? Faites-moi voir. Il faut que je la voie. Ma parole. Elle est vraiment dans un état impeccable. C'en est même troublant. Merci de m'avoir apporté cette cargaison perdue. Eh oui! Elle contenait bel et bien une ammonite dotée d'un véritable cordon ombilical. Grâce au réseau, j'ai déjà envoyé des images et une analyse préliminaire à Hartmann. Ce qui est intéressant, c'est que les strates environnantes contenaient des traces de poids, ce qui corrobore une de ses théories. Enfin bref, je sais que vous venez à peine de m'apporter cette ammonite, mais j'aimerais vous la faire livrer à l'une de mes collègues biologistes et vos dévots. Ces derniers temps, elle s'intéresse à la poix, et je pense qu'elle voudra étudier ce spécimen au plus vite. Il est tout à fait remarquable, et je vous en félicite. Pour vous expliquer, elle étudie comment la poix a pu influencer le développement de divers organismes. J'aimerais donc que vous récupériez aussi les collecteurs de poix disposés près de son abri, et que vous les lui donniez en même temps que l'ammonite. Tenter de les récupérer elle-même serait beaucoup trop dangereux. C'est pourquoi nous devons faire appel à vous. En l'aidant dans ses recherches, nous pourrions nous rapprocher encore de la résolution des mystères entourant le Death Stranding. Nous faisons déjà tant de progrès grâce aux données qui ont été récupérées par le réseau. Si vous continuez à nous aider, je suis sûr que nous pourrons aller encore plus loin. Au travail. Nouvelle commande disponible. Allez, donne-moi tout.
Ah mais j'en ai deux. Est-ce que je peux le mettre casier privé. Ok, parfait. Commande attribuée. Tu es là-bas. Je vais peut-être faire U. Et ouais, j'en ai plus du tout. Le cimetière de moto juste à côté. Attends. Je le mets à la limite ici. À côté. Construction terminée. Yo bye bye. Ah non. Un tout petit peu. Oh 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 oh. Parfait. Plus d'eau.
Ok, pas beaucoup de dommages. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment vu d'échouer. Un boost. Ah, ah. Moi, on est préparé maintenant. Je t'avais pas vu. Ah non, il y en avait un là. Comment ça? Non, c'est bon. Lâche-moi. Non, non, lâche-moi, lâche-moi.
il est pas mort. J'ai même plus gaffe. J'ai ça. Non, laissez-moi. T'es où? Derrière ? Bon. C'est là. Il va faire une synchrope.
2. Voilà. Faites attention à votre bébé, Sam. Il fait une crise d'autotoxémie. Si vous ne pouvez pas compter sur son aide, votre Dradek ne réagira plus aux échouées et vous devrez redoubler de vigilance. Vous devriez aller dans une chambre privée pour rétablir son fonctionnement. Deux secondes. Hein. Il me dit sort que... Oh baby. Je dois aller là-bas. Allez. Ok. La bio. Oh, je connais tout. Bout. Ah, j'espère qu'il y aura des chargeurs. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ.
impressionné, Sam. Il y a peu de gens capables de tenter une chose pareille. Je peux regarder? Tout est en ordre. Vous avez réussi à m'apporter la majeure partie de la poix. C'est un fait, vous tenez vos promesses. À présent, connectez-moi au réseau Kiral. C'est là que mes recherches vont véritablement commencer. Merci. Cela va sans dire, mais je suis persuadée que la poix est liée aux échoués et aux Death Stranding d'une façon ou d'une autre. Après tout, la poix et les précipitations représentent les caractéristiques principales de l'écosystème post-Stranding. Des changements environnementaux aussi brutaux mènent invariablement à l'extinction des organismes qui ne parviennent pas à s'adapter. Ceux qui y arrivent tirent parti d'amplificateurs, les régions d'ADN qui permettent à certains organismes d'obtenir des avantages décisifs. Ces facteurs génétiques sont essentiels à l'évolution. Mais il existe des gènes qui ont l'effet inverse. Ils désavantagent les organismes. On les appelle facteurs d'extinction. Ces deux types de gènes sont les graines de l'évolution et de l'obsolescence. Nous en sommes peut-être tous porteurs, sans le savoir. C'est un choix en suspens. Pour tous les êtres vivants, depuis que la vie existe. Si c'est le cas, la poix cache peut-être une preuve très ancienne. Une preuve de ces décisions génétiques qui pourraient nous aider à mieux comprendre notre situation actuelle. En tout cas, grâce à vous, je peux à présent étudier la composition de la poix de façon plus détaillée. Soyez sûr que je ne manquerai pas de vous tenir informé des résultats. Bravo, Sam. Vous n'imaginez pas à quel point vous avez fait progresser nos recherches sur le Death Stranding. Merci encore de m'avoir apporté le corps de Mama, ainsi que cette ammonite. À ce propos, mon analyse de son cordon ombilical avance plutôt rapidement. J'ai comparé les données à celles que contiennent les archives restaurées. Enfin bref, ça vous embête de revenir à mon labo? Les préparatifs de l'intégration du relais Kiral sont enfin terminés. Si vous pouviez prendre les matériaux nécessaires à la restauration et les apporter ici, je vous en serai très reconnaissant. Au travail. Nouvelle commande disponible. Oh. Veuillez accéder au terminal de livraison. Il est mort. Temps de se reposer. Faut le lui rapporter. Et après, va falloir recréer une base ici.